vous trouve à proximité de l'atelier garage du futur tram 9. Donc ce site il va regrouper les infrastructures qui permettent l'exploitation, la maintenance et le remisage du tramway. Il y a également le poste de commande centralisé dans ce site qui permet de gérer et superviser l'ensemble de la ligne. Sur ce site de 4 hectares, on va trouver le remisage qui se trouve le plus à l'est, le bâtiment principal, là où il y a les grues et où on voit les fondations. Donc dans le bâtiment principal, les bureaux, les locaux d'exploitation, l'alimentation électrique du site et surtout le hall de maintenance et le poste de commande centralisé. La station-service qui commence à vraiment être bien avancée, dans lequel sont nettoyés les tramways et l'accès depuis la rue des Cosmonautes pour les tramways pour qu'ils puissent entrer dans le site. La localisation de ce site a été choisie parce qu'elle se trouve très près de la ligne de tramway, donc c'est plus intéressant en termes d'exploitation. En plus, on se trouve sur un site qui est non bâti, qui est enclavé entre deux lignes ferroviaires et qui en plus est protégé des crues de Seine. Le site il a été conçu par un groupement d'architectes, Jacques Ferrier Architecture, et d'ici là, Paysages et Territoires, et le bureau d'ingénierie Arcadis.